D'abord, nous allons parler de la suite du Covid, mais d'abord, avant, n'oublions pas que nous étions dans une période très très particulière de lutte sociale. Il y a 2 mois et demi, 3 mois, les gens étaient dans la rue et pour plein de raisons très très motivés parce que ce monde part de travers. Alors, ne lâchons rien parce que maintenant, c'est pas parce qu'ils vont nous avoir étouffé un petit peu grâce entre autres au Covid, qu'il ne faut pas se réarmer et repartir à la... Oui, parce que les personnels de santé qui maintenant sont élevés au rang de héros, à l'époque, connerie, à mon avis, on leur a tapé dessus, quand même. Oui. On leur a tapé dessus et la police, il faut observer qu'elle était quand même assez violente, même très violente. Il n'y a pas que les États-Unis où la police est violente. À proximité. On en parlera un peu plus tard. On en parlera tout à l'heure, la violence à proximité. Ouais. Et toi, Jean-Louis, tu voulais dire quoi sur justement la santé, tout ça? La santé, ça me semble la chose primordiale, je veux dire, même si pas. Il y a des exagérations du point de vue quantité de soins et compagnie, quantité. Mais ça me semble essentiel. Et en plus, la communication entre le soignant et les gens, les soignés, c'est colossal. Ah, or, ça, sûr, ouais. Ça, c'était la première chose qui a été coupée. Quoi. Pas 5 minutes pour communiquer entre le soignant et les soignés. C'est la première chose qu'ils ont débarrassée parce que ça sert à rien. Quoi. Ah oui, mais déjà, dans les suppressions de lits, on supprimait des lits. Alors, quand on dit supprimer des lits à l'hôpital, ça veut dire les lits et le personnel qui va avec quand il doit s'occuper des personnes qui sont dedans. Et donc, on remplace ça par ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. Mais l'hospitalisation à domicile, moi je l'ai vécu avec ma femme, quand elle s'est cassée la jambe, quand on lui a enlevé ils appellent ça la superstructure ou l'infrastructure métallique qui réparait la fracture. Médecine ambulatoire. Donc, elle est opérée le matin, et après, ils n'ont de cesse de la mettre dehors. Et attends, dehors, elle ne peut pas marcher, il n'y avait même pas un fauteuil roulant, quoi. Il a fallu que je revienne, en plus elle était au moins, il y avait 300 mètres de couloir à faire, il a fallu que je revienne à aller chercher un fauteuil à l'entrée de l'hôpital, il n'y en avait même pas un à l'endroit où il y a la médecine ambulatoire. Chapeau, hein. Mais de toute façon, tu sais ce qu'ils font dans le Nord, là, où il y a le fameux mec qui a dit qu'il voulait continuer les suppressions de lits, etc., et qui s'est fait virer, là. C'est bien le plan, hein. Nous racontons pas d'histoire, c'est bien leur plan. Mais bien sûr. C'est l'application de plan qui était dans les tuyaux, quoi. Alors aujourd'hui, solidaire d'abord, comme d'habitude, et ne vous racontez pas d'histoire, on est toujours aussi pugnace contre cet état de fait de cette société en même temps, où on nous raconte tout et son contraire en même temps, et où de toute façon, on se fait plumer jusqu'au dernier. Ah oui. Donc il y en a ras-le-bol. Alors on voulait parler d'abord, la première chose, c'est en Allemagne, tu disais que, alors là aussi, il y a une controverse entre le ministère un responsable d'un service militaire, on lui avait demandé de faire un rapport, il a fait un rapport, mais le rapport, il ne convient pas du tout, disons, aux responsables, parce que ce rapport, en fait, sur la pandémie, alors qu'il y a un rapport avec un certain recul, finalement, en gros, il dit, on en a surajouté quand même énormément, et alors pourtant, en Allemagne, ils ont déjà mieux géré que nous. Oui. Mais ils avaient moins supprimé de lits. Ah, ils avaient moins, ils en avaient 5 fois plus. Hein. Ouais. Mais de toute façon, le rapport, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, si on totalise le nombre de morts au niveau mondial,
on est à un peu moins de 400 000, disons. On arrivera peut-être à 500 000, donc. Mais la grippe de 2017-2018, au niveau mondial, elle avait fait 1 500 000 morts. Alors certains pourraient te dire, ah ben oui, mais les chiffres en France, c'est pas ça. Mais en même temps, tu rappelais qu'en France, de toute façon, cette grippe de 2017, elle avait fait au moins autant. Ouais. Et sur une période plus courte. Ouais. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas de pandémie, hein, puisqu'en fait, c'est ce que... Le gars du rapport, c'est un peu ce qu'il dit, qu'on en a rajouté. C'est un peu, pas théorie du complot, parce que c'est quand même un rapport officiel. Mmh. Enfin, il ne sera peut-être pas validé officiellement, mais c'est un rapport qui a été produit par un service ministériel allemand. Et on ne va pas nier qu'effectivement, il y a eu la Covid-19, avec des gens qui ont fait des pneumonies sévères, qui sont morts, etc. Mais ce que dit le rapport aussi, dans un deuxième volet, il dit, de toute façon, la plupart, enfin une grosse majorité des gens qui sont morts avec ce Covid-19, de toute façon, c'était des personnes âgées, ou très âgées, ou malades, ou très mal en point, qui vraisemblablement seraient morts de toute façon dans l'année d'une maladie ou même d'une grippe. Et il dit, on a eu finalement ce que les médecins appellent un phénomène de décompensation, c'est-à-dire quand les gens sont très malades et que l'organisme ne peut plus se défendre, on a une chute des organes, des fonctions vitales. Et en fait, dans le cadre de la pandémie, on a vu finalement les médecins confrontés à des malades qui arrivent et qu'il faut sauver parce qu'il y a cette pandémie, il y a toute cet événementiel, si on veut. Et donc, quelque part, ce que dit un peu le rapport en filigrane, c'est qu'il y a eu une espèce de... pas d'acharnement thérapeutique, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais on a voulu à tout prix éviter des morts. Alors qu'en temps normal, hors pandémie, ces gens seraient morts... soit en EHPAD, soit chez eux. Ce qui est très curieux, c'est l'utilisation des chiffres, quand même. Parce que tous les soirs, on nous balançait les morts. Tu le rappelais, sur... Bon, voilà. Mais par exemple, justement, le comparatif qui est fait tous les soirs, il est fait avec 2019. Ah 2019, oui, qui est une année exceptionnellement avec faible grippe. C'est-à-dire de faible grippe. Ouais. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a des gens qui ont été préservés en 2019, qui, s'il y avait eu une grippe comme il y a chaque année, aurait peut-être pas passé l'année. Je suis pas en train de dire que c'est grave pour eux, hein. Non, très très bien. Mais il n'empêche que, voilà, là, d'un seul coup, on nous a monté ce truc-là énormément en épingle, quand même. Hein, ah oui, ça a été effectivement dramatisé, mis en scène, et tous les soirs, le décompte macabre, si on veut. Ouais. Mais en même temps, plus philosophiquement, si on veut... Ça nous interpelle sur notre perception de la mort. C'est-à-dire, Est-ce qu'on est de passage est de passage là où on est immortel, voilà. Peut-être et comme en plus, il y avait cette pandémie déclarée, et l'OMS était obligée de déclarer une pandémie, parce qu'il y a des normes. Enfin, des normes, il n'y a pas des normes vraiment quantitatives. Mais il faut qu'il y ait une maladie nouvelle, bon, c'était le cas, qui se propage. On avait, n'oublions pas, quand même, la Chine, l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Espagne, etc. Donc, ils se propagent rapidement, donc ils ont déclaré la pandémie. Mais c'est vrai que, du coup, ça crée une situation exceptionnelle. Et finalement, le monde est quelque part sidéré. Et du coup, notre perception qu'on a de l'état de mort comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Oui. Et donc... Dans le contexte d'une société technique, technologique, scientifique, etc., la mort, c'est pas bien. Oui. Donc on a tout fait pour éviter. Ça convient bien au en même temps actuel. On va changer de sujet parce qu'on a plein d'autres choses à dire. Tu voulais, toi, Jean-Louis, parler de Extinction et Rébellion.
parce que tu voulais parler, entre autres, de quels sont les possibles maintenant. Voilà. Quelle est la priorité, comment on fait pour rebondir après cette crise, etc. Quelles sont les choses à mettre en avant? La priorité, c'est l'inverse de ce qu'on nous dit. Ouais. C'est ça qui est terrible. Là, bien sûr, il faudrait que les gens qui sont à l'automobile retrouvent un boulot, mais personne ne parle de convertir notre société et la mobilité en fonction de je ne sais pas quoi. Mais je trouve que c'est pas idiot, par exemple, de penser à un vélo peut-être plus amélioré, mais changeons de vitesse, c'est un des titres. Il faut changer de vitesse par rapport à l'écoulement de notre société actuellement. La société de devenir, c'est un, comment dire, c'est un flux. Si tu n'arrêtes pas le flux ou si tu ne l'orientes pas, tu prends en plein la gueule. Là, sais-tu, si on continue à mobiliser systématiquement tous les travailleurs de l'automobile, de l'avion, des paquebots, etc., on va dans le même sens où on est il y a 3 mois, quoi, c'est tout. Hein. Si on est toujours en train de trépigner sur son siège en parlant de la croissance, comme De Gaulle faisait par rapport à l'Europe, hein, c'est vrai que là, c'est le moment ou jamais de se poser des questions. Il y a des questions fondamentales, parce qu'il ne faut pas... C'est pas uniquement avec les bagnoles, la grosse bagnole, les moyennes bagnoles, les SUV et compagnie qu'on va s'en sortir. Ça va sortir pendant un certain temps. Les gens du chômage, pour fabriquer des nouvelles bagnoles, les SUV, mon dernier encore. Et c'est tout ce que ça va faire. Ça ne va pas changer l'avenir. Et au contraire, ça va aggraver ce qui risque de nous tomber sur la gueule à l'avenir. C'est pour ça que je parlais d'Extinction Rébellion. C'est-à-dire qu'il faut être plus radical. Hein, plus radical que, par exemple, le CNRR. Oui. CNNR. Nouveau Conseil de la Résistance. Conseil national de la Nouvelle Résistance. Mais ça, tu vois, c'est vraiment une manœuvre, ça. Tu prends le sigle CNR. Ah oui, parler, bah surtout, il y a un enchantement. Et crac ouais. Et tu vas, ils vont faire comme le CNR. Et ça, ouais. Sauf que le CNR, il arrive en pleine guerre. Ah oui. Quand il se monte, et que c'est pas du tout pour rigoler, c'est pas pour faire des jolis écrits bien signés. Non, c'est une vraie lutte armée. Avec des gens qui y passent, puisque Jean Moulin va y passer dans l'année qui suit la création. Mmh. Plein d'autres aussi. Oui, mais au départ, quand ils l'ont posé, c'était aussi des intentions. Bien sûr. Et ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Oui, mais... et c'est vrai qu'à la libération, le contexte était beaucoup plus, je dirais, favorable, dans la mesure où le patronat, le pouvoir économique en place avait été tellement traître. Voilà. Ça s'était tellement vu qu'ils s'étaient commis. Avaient tellement collaboré, entre guillemets, et que du coup, par ailleurs, il y avait la gauche, et la gauche communiste était très forte. Ouais. Et c'est vrai qu'y compris, parce que sinon ils n'auraient pas laissé faire, y compris les Américains, ils préféraient finalement que le CNR s'arrange plutôt que ce qui est une espèce de révolte, révolution communiste. Oui, parce qu'on en était là. Pardon, vas-y. Non, mais les Américains avaient l'intention de parachuter, c'est pas des préfets, quoi, je sais pas comment ils disent, des préfets de toutes les régions de France. Quoi, ah oui, avec, tout à fait. Ouais. Là, c'est la personnalité de Gaulle, sa grande gueule. Voilà, c'est vrai que là, on doit dire effectivement... De Gaulle, c'est là où il a pris sa dimension. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est de l'autre côté, non? Ah oui, oui, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait partie des nantis, c'est quelqu'un qui fait partie des dirigeants, des sachants, de ceux qui nous, des élites qui nous gouvernent. Pratiquement toutes les élites nous avaient trahis. Hein, elles étaient toutes parties vers le nazisme. Et donc, on se retrouve avec des bouquins qui ont été écrits là-dessus, hein, comme quoi De Gaulle est quand même un peu un extraterrestre, d'une certaine façon. Hein, et n'oublions pas qu'un mec qui était encore plus controversé par rapport à, justement, la suite de l'histoire de France, Mitterrand, par exemple, qui a été quand même décoré de la Francisque. N'oublions pas que Mitterrand a été décoré de la Francisque. C'est-à-dire un truc à la gloire du maréchal Pétain. N'oublions pas ça. Voilà. Et donc, soi-disant, un mec de gauche. En même temps, tu peux pas suffisamment pour ça que moi je suis très irrité quand on met tout dans le même panier. Tout dans le même panier de gauche, etc. Là, De Gaulle, bon, je ne suis pas fan de De Gaulle, mais quand même,
C'est un maire qui s'est opposé à l'état-major français avant la guerre, en disant, attendez, regardez, les Allemands, ils sont en train de fabriquer des chars et compagnie, et nous, on a l'île. Tu avais les grosses têtes de l'état-major, on peut dire grosses têtes, ouais, de l'état-major qui ne pensaient qu'à la ligne Maginot. Ouais, ouais. Maginot pour arrêter les chars. C'est rigolo, toi, quand tu le dis ça maintenant, c'est rigolo. Alors tu as des mecs qui avaient 5 barrettes sur l'épaule, des étoiles sur le machin, qui causaient n'importe quoi. Des gammes. Hein, oui. Ben, y a eu, récemment, là, bon, on va pas faire très long, mais il y a eu sur Arte un documentaire sur la période d'avant-guerre, la deuxième guerre, hein, c'est-à-dire la montée d'Hitler, et puis la, plus récemment, alors même je crois que c'était il y a 3 ou 4 jours, sur l'armistice, les dessous de l'armistice. Ah, hein. Oui, oui. Et c'est vrai que tu te rends compte en fait qu'en réalité, les Américains et les Anglais, alors ça, les Américains et les Anglais avaient parti lié pour que Hitler reconstitue son armée. Contre l'avis des Français, d'ailleurs, tout le temps, dans la première partie du documentaire, donc il y a quelques mois, les Français s'y opposaient. Mais les Hitler a pu reconstituer son aviation, ses armes lourdes. Il a tout reconstitué. Chaque fois, les Français s'y sont opposés, mais les Américains et les Anglais, et tu comprends, en face, il y avait Staline. Donc, aîné, l'armistice, l'émission qu'il y a eu là, donc il y a deux jours, un jour, il montre bien, Hitler, il fait son offensive avec ses panzers, et à un moment donné, il s'arrête. Il attendait une contre-offensive. Contre-offensive des Français et des Anglais. Les Français, ils n'ont pas fait la contre-offensive. Les Belges se sont. Écrasés. Oui, ils se sont écrasés, mais bon. Ils ont été écrasés. Mais Hitler a laissé un jour aux Anglais pour évacuer. Ouais. Et pendant ce temps, il avait mis les Français en demeure, soit de signer l'armistice, soit de continuer. Ah bon, et ouais, bon, il y a tout. Et tu t'aperçois, c'est toujours un peu les mêmes enjeux. En même temps, ce que l'on a dit, on a servi la soupe à De Gaulle. Il y a des choses sur lesquelles on peut être critique aussi sur De Gaulle. Hein. Enfin, ouais. Non mais voilà. quand tu prends le pouvoir à 75 ans, etc., tu n'as pas les mêmes facultés, les mêmes que. On en était à extinction et rébellion. Ouais. Alors vas-y Jean-Louis. Extinction et rébellion, c'est l'expression qui me plaît. C'est-à-dire qu'il faut arrêter l'évolution actuelle si on veut avoir un avenir viable. Correctement. Et donc arrêter, c'est effectivement extinction. L'expression m'a beaucoup plu, extinction, rébellion. Alors, ça choque, parce que quand tu fais des manifs, les gens ne comprennent pas. Oui. Ils n'en sont pas là dans le 30. Oui. Ils n'en sont pas là. Il y a ma voiture, mon machin, mes trucs, mes revenus, mes trucs. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est quand même face à une écologie des pistes cyclables. Hein, quand même, à Paris, par exemple, le parti des pistes cyclables. En plus, c'est à Marseille, ils les ont enlevés, les pistes cyclables. Donc c'est vrai que tu as quand même deux façons de concevoir l'écologie à l'heure actuelle. Qui sont sacrés, l'écart est plus qu'un grand écart. Oui, avec des variantes, parce que extinction, rébellion, alors effectivement, rébellion. Mais c'est aussi non-violence, extinction, rébellion. C'est le premier niveau de radicalité. Oui. Parce qu'en fait, la grosse question qui demeure, je veux dire, en suspens, c'est que, en fait, personne ne sait comment on va faire. Si les gens ne se mobilisent pas. Est-ce que tout ça, c'est anticapitaliste ou pas? Voilà, hein, c'est la question. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus. Même Extinction Rébellion, c'est pas universel, mais ils remettent en cause quand même le capitalisme. Oui, ben oui. Oui, oui. Mais bon. Mais ça dépend des gens, etc. Mais ouais. Je veux dire, c'est quand même un sujet sur lequel il faut travailler. Ah oui, si tu ne travailles pas ça, et tu ne vois pas les conséquences des possibles. Tu ne peux pas avancer à ce moment-là. Oui, mais bon, travailler, ça fait déjà un moment. Hein. Le problème, c'est que si on ne fait que des transitions,
Attends, ça avance. C'est vrai que tu voulais parler d'un truc que moi j'ai trouvé très très intéressant sur les commentaires de Lourdon par rapport à Friot, comment Lourdon décline Friot. Peut-être il ne faut pas tout rappeler parce que sinon. Oui. Tu parlais de Lourdon ramène deux propositions de Friot essentielles. Y compris dans les. Juste un mot pour le CNNR. Ils ont sorti un livre collectif et dans ce livre collectif, il y a précisément un article de Bernard Friot. Alors Bernard Friot, il est connu pour le salaire à vie, etc. Mais dans le même temps, Lourdon a sorti dans son blog une suite de la manière de sortir et d'attaquer le monde d'après, donc où il met en avant les deux propositions de Bernard Friot. Alors, il dit la première révolution, finalement, c'est la cotisation universelle qui serait... Alors, c'est là où il y a la radicalité, mais en même temps, comment l'imposer ? La radicalité, c'est que la totalité de la plus-value de chaque entreprise serait réservée à une cotisation universelle qui serait versée dans une caisse gérée par les travailleurs, le peuple, Et alors, la deuxième aspect révolutionnaire de cet aspect, c'est que donc, cette cotisation sociale serait reversée aux salariés, aux employés, au peuple, sous forme d'un salaire, mais qui ne serait pas lié uniquement à un emploi et qu'on perdrait quand on perdrait l'emploi, parce que ça, c'est quand même la manière de tenir les gens dans le système capitaliste. Donc, ça serait un salaire à vie. Et ce salaire à vie serait fonction de qualification et il serait dans une gamme de 1 à 3. Alors là, c'est vrai que ça, garantir un salaire à vie, c'est d'un seul coup redonner une certaine liberté aux gens. Sûr, c'est-à-dire, bien sûr, c'est pas un esclavage moderne. Voilà, c'est, on supprime l'esclavage. On supprime l'esclavage. Et on supprime à la fois l'esclavage et ce qu'ils appellent, Lourdon, il appelle le terrorisme de la valeur d'échange. Oui. Alors, le deuxième aspect, ce salaire serait versé de deux manières. Et c'est là où il y a un aspect intéressant. À la fois, alors il ne dit pas les proportions, mais enfin, un compte ordinaire que les gens pourraient dépenser un compte en banque, comme il faut actuellement. Et puis, un compte qui serait une espèce de carte vitale, c'est le terme qu'utilise Lourdon, universelle, et qui permettrait d'acheter autant de... En fonction de ce qu'on a sur son compte, c'est des producteurs conventionnés, c'est-à-dire qui auraient accepté des règles de conventionnement écologique, par exemple des producteurs locaux, etc. Donc on a à la fois dans cette idée-là la notion de monnaie locale qu'on peut échanger avec des producteurs locaux, mais en même temps une incitation plus forte. Alors, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'effectivement, là, à ce moment-là, le sigle CNNR prend tout son sens. Ah oui, oui, c'est-à-dire oui. qu'on revient sur des choses qui ont à voir avec la révolution de la sécurité sociale. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est effectivement dans la mutualisation et dans le partage. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et donc, l'intégration de l'ensemble et, de... Et pour revenir sur ce qu'on disait sur De Gaulle tout à l'heure, d'une certaine façon, De Gaulle a permis ça aussi. Le rapport de force à l'époque a permis ça. Quoi. Voilà. Voilà, peut-être c'est bien que tu rappelles ça. Oui, le rapport de force. Mais il ne s'y est pas opposé, il n'a pas été voté. Non. Alors, c'est vrai que je pense que ce n'était pas tout à fait dans son logiciel. Oh, non, lui, On est bien d'accord. Il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Tout le genre. Mais c'est vrai que les autres avaient tellement, en avaient tellement croqué de leur côté qu'ils ne pouvaient pas s'y opposer. C'est-à-dire que la bourgeoisie, les nantis, etc., n'ont pas pu s'opposer à ça. Et là, à l'heure actuelle, il faut peut-être profiter de ce moment de crise pour arriver à repartir, à remettre cette société sur quelque chose d'un peu plus consensuel, d'un petit peu plus partagé. Les lignes, quand même, en tout cas, les lignes médiatiques, pour l'instant, ont bougé. Et il y a des ouvertures, mais c'est vrai que si on ne s'engage pas dans ces ouvertures avec des rapports de force, vrai que... Ça repartira comme avant. Il ne nous reste plus que un peu plus de deux minutes. On voulait parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis. On a dit. Ouais. Alors là, le Trump qui est en train de nous expliquer qu'il va dominer la rue, il vient avec sa Bible, etc. Enfin, bon.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que chez nous, à Aubenas, vu qu'il s'est passé il y a 8 jours, oui. Merde, c'est une décalque. Nana qui va défendre un SDF qui se fait baffer par un flic. Et baffer, traîner par terre et compagnie. Après. Ben, c'est-à-dire, c'est le fait que la police, maintenant, ne connaît que la force pour, quand, comme il dit, quand quelqu'un résiste. Oui, tout à fait. C'est, voilà, donc y a, soit c'est la force, soit on se plie. Tu rappelais d'ailleurs, Jean-Claude, que George Floyd se fait flinguer par le flic qui lui met le genou sur le cou, et que ça te rappelait étrangement. Ah ben nous, on a connu exactement la même chose avec Cédric Chouviat. C'est arrivé le début janvier 2020. Un gars qui se baladait en scooter en téléphonant. Voilà. La faute, elle est grave. Il téléphonait au volant de son scooter. Il est arrêté par 2 ou 3 flics. Et alors, évidemment, comme il avait son téléphone, il commence à filmer les flics. Et en même temps, bon, c'était un jeune, je ne sais pas quel âge il avait. Il ne s'est pas laissé faire tellement. Oui, c'était un livreur. En plus, il était pressé. Livreur, c'est ça, ouais. Voilà. Et en plus, c'était un petit mec. Hein. Résultat, voilà, il n'avait pas le gabarit. Résultat, il se fait interpeller. Les mecs lui mettent le même topo. Et il est mort étouffé. Exactement. Mais chez nous, c'est passé comme une lettre à la poste. Et il faut dire quand même, pendant les manifs, bon, on a fait le décompte des gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu des mains. Mais je citerai, alors, je n'ai pas vérifié, mais il y a un site qui s'appelle Basta, qui a dénombré 676 morts depuis 1977, suite, alors je ne dis pas que c'est que des bavures, suite à des affrontements avec la police. Mmh. Nous, on peut rappeler quand même le cas de Steve là, à Nantes, qui est mort noyé. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, quand tu regardes, alors vous pouvez aller voir sur Wikipédia, hein, bavures policières, brutalités policières. Le jeune de la ZAD, là, comment il s'appelait Rémi Fraisse, mais il y en a plein. Ziad Ebouna, il y a Traoré, des Traoré, d'ailleurs, il y en a un paquet qui ont eu des... Adamo Traoré, Zineb Redouane, il y en a plein. Hein. C'est l'heure, les amis, il faut qu'on s'arrête. On s'arrête de charger la barque. À bientôt. Donc, on a la niaque, on ne va rien lâcher. On vous demande de ne rien lâcher. Hein, ah ben oui. La vie est trop belle pour qu'on la lâche. Allez, les jeunes. Allez, cons, quoi. La liberté, c'est pas qu'aller au bistrot. Oui, mais il va falloir trouver le moyen. Le moyen de bloquer. C'est pas évident. Oui. Il faut abandonner un certain nombre de choses pour arriver à bloquer, etc. Oui. Ça, c'est pas évident. Il va falloir en discuter. Allez, on y va. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.